Hello les merveilles. Alors je nous invite à nous déposer. À nous déposer. J'ai la grande joie de... vous inviter, de vous proposer une belle grande invitation. J'aimerais... expanser et transmettre les compréhensions qui viennent de pleinement s'intégrer à ce dernier mois au sujet vraiment de notre abondance absolue. J'aimerais qu'on aille activer au sein de notre ADN le A majuscule. De Uma. On va naviguer ensemble les nouvelles vies qui s'ouvrent, les invitations qui sont en train d'émerger dans le fond de nos tripes. Les grands appels de nos âmes. Et on va accepter ensemble l'immensité. On va rééquilibrer les énergies afin que ce A majuscule soit un déploiement dans la forme d'un choix qui est validé, activé et pris au-dedans. Et on a les peuples des océans qui nous soutiennent pour ça, qui vont venir tapoter vraiment comme une espèce de d'acupuncture, mais ce que je vois, c'est plutôt de l'encodage, comme une reprogrammation, une fois qu'on a déprogrammé, une fois qu'on est revenu à cet être humain, à ce que nous sommes vraiment, à notre véritable nature. Maintenant qu'on se souvient parfaitement ce que nous sommes, d'oser marcher les grandes directions, d'oser les idées complètement différentes, d'oser la nouvelle version de soi, d'oser partager cette grande authenticité. On va faire les ajustements ce qui en nous anciennement approchait pour prendre et de basculer dans offrir sincèrement ce pourquoi nous créons un instrument de physicalité. Y a le bateau qui grince. Je tiens vraiment à partager les codes de l'immensité en fait, de. Qu'on s'asseye tous ensemble en groupe. Je sens que les retrouvailles, elles sont là pour ça aussi. De s'asseoir dans l'acceptation de ce qui en nous ne peut pas croire, ne peut pas tolérer un tel seuil d'immensité. Quand je choisis de faire un avec cette vie, lorsque je choisis d'oser me laisser aimer, eh bien, c'est l'immensité qui s'ouvre. C'est l'abondance absolue, mais qui n'a rien à voir avec une abondance bling-bling, qui n'a rien à voir avec les trucs qu'on nous a vendus depuis tout petit, qui dit qu'on aura ceci, cela, et que ceci sera fait, alors j'aurai le droit d'être heureux. C'est vraiment presque opposé. Dans le sens, il y en a un avant l'autre. C'est se choisir soi d'abord. C'est exprimer sa note, son verbe unique d'abord. Et on voit bien que dans cette décision, en fait, l'autre disparaît. Parce que finalement, quand je dis oui à ce que je suis vraiment et à son expression,
Eh bien, il y a offrir de sa personne qui prend place. Quand je dis de sa personne, je pourrais dire de son être, de son âme. Ça veut dire que l'action n'est plus déployée pour obtenir, elle est déployée pour avoir une superbe journée. Ce qu'on veut vraiment, en fait, c'est dire au revoir à tout un monde où on se fait chier pour casser sa croûte ou parce qu'il faut bien, ou parce que tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un qui disait il faut bien rentrer les billets, je crois, j'ai entendu. Et de voir que ce monde-là, en fait, on y a dit au revoir, c'est pas du tout la joie. On ne s'est jamais créé pour ça. Donc j'ai posé une date ce dimanche 30 août à 10h heure française. Et je vais nous attendre nombreux, on va se tenir la main là-dedans. On va se laisser recevoir. Moi je suis toujours la première aux loges.